troisième compagnie, qui chaque année envoie un peloton de fusiliers à Otterburn afin de participer aux tirs de combat avec le régiment paracommando. Peloton mortier, composé de fantassins dont la formation technique permet d'appuyer le bataillon avec efficacité. Thank you.
Ваня 2, здесь Ирина 3. Ваня 2, здесь Ирина 3. Le peloton éclaireur, soldats d'élite dont la condition physique et l'imagination doivent être sans relâche exercées. Peloton éclaireur qui, chaque année, complète son entraînement par un stage commando à Marche-les-Dames. Auxquels nous participons, même s'ils sont relativement méconnus de la plupart des militaires ou d'autres unités, frères, sœurs, fantassins, blindés ou autres, même si le travail du 3e chasseur ardennais est méconnu, il n'en est pas moins essentiel, je pense, dans les missions qui pourraient nous être attribuées en temps de guerre, c'est-à-dire la défense militaire du territoire. Vous n'êtes pas sans savoir, et les exercices Reforger dont on parle en ces moments, doivent permettre l'arrivée en Europe et notamment en Belgique, en tout cas comme pays de transit, d'unités américaines d'une force importante. Et ces unités, devant traverser la Belgique, risquent donc d'être soumises éventuellement à des attaques de diversion, de guérilla, de sabotage. Et une de nos missions pourrait être d'intervenir et de défendre, en tout cas partiellement, des états-majors, des unités américaines qui transitent par notre région. La deuxième compagnie, ou compagnie training défense militaire du territoire, chargée d'organiser les rappels pour la plupart des compagnies indépendantes francophones du pays, dont le 4e et le 6e chasseurs ardennais, et ce, quelles que soient les conditions atmosphériques.